أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. 11 ans après, la famille de feu Mamadou Diop se souvient de lui avec tristesse. C'est dur, mais je supporte tout et je remercie le bon Dieu. Parce que c'est le bon Dieu qui me l'avait donné et qui l'a pris. Je ne peux pas l'oublier, mais je sais que le bon Dieu m'a donné un cœur pour supporter ça. Je leur ai interdit de faire la violence, de rester chez eux et respecter les paroles de leurs parents. Pape Niokhobaye Diouf est l'oncle maternel de Mamadou Diop. Il confirme que l'État a respecté certains de ses engagements suite au décès de l'étudiant tué en 2012 à la place de l'obélisque. Ces deux enfants sont considérés comme pupilles de la nation. Ils ont fait des enfants des pupilles de la nation. Bon, pour le reste, je ne sais pas exactement ce qu'ils font. Mais je ne sais pas si mensuellement ils font quelque chose. Je ne suis pas très certain. Et je sais qu'aussi il y a eu un jugement, et puis après le jugement, il y a eu un dédommagement. Bon, mais quant au suivi exact, vraiment, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut. Cependant, il suggère au régime actuel d'être plus tolérant avec les jeunes manifestants pour éviter les drames. La jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est consciente, c'est une jeunesse qui est très politisée. Donc vraiment, il faut faire avec. Il faut s'attendre à ce qu'ils soient dans la rue pour réclamer leurs droits. Qu'ils soient dans la rue pour recadrer, c'est ce qui nous gouverne. Ça, bon, c'est inévitable. Comme chaque année depuis 2012, la famille de Mamadou Diop commémore le jour de son décès avec des chassidas comme les aimait le défunt.